healing of the nation. Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui je vais tester le Novae, le dernier vaporisateur portable de la marque chinoise TopBond, qui fait suite aux deux premiers modèles Torch et Odin. Le Novae est un vaporisateur à herbes sèches qui offre un excellent rapport qualité-prix, intégrant un certain nombre de caractéristiques haut de gamme qui lui permettent de se démarquer des autres vaporisateurs bon marché. Pour moins de 100 €, vous pouvez ainsi vous offrir un vaporisateur à convection robuste avec une batterie amovible. Passons maintenant à la présentation du pack. Le TopBond Novae est vendu avec un mode d'emploi, un jeu de grille de rechange pour le four et l'embout buccal, un câble USB de chargement et enfin un kit de nettoyage avec brosse et touilleur en métal. Le Novae est un petit vapo assez lourd puisqu'il pèse à peu près 200 grammes. Il est fait d'un alliage de zinc qui lui donne un aspect particulièrement solide. Ici pas de plastique comme sur certains modèles dans la même gamme de prix. Il mesure 9,5 cm de haut pour 5,5 cm de large et peut se glisser facilement dans une poche, même si vous sentirez son poids. Le design est assez rudimentaire et met plutôt l'accent sur le côté durable et fonctionnel avec un couvercle aimanté qui scelle fermement le four. On est loin des finitions du DaVinci IQ ou du Lynx Gaia, mais ce n'est clairement pas là-dessus que TopBond mise pour se démarquer. Comme sur les autres vapos TopBond, la chambre de chauffage du Novae en céramique est plutôt profonde et permet de mettre environ 0,5 g d'herbe. L'embout buccal est en zircone noir, un type de céramique que l'on a pu voir sur d'autres vaporisateurs comme le Starry V2 d'X-Max, un autre fabricant chinois également sur le créneau des vaporisateurs bon marché. L'embout est composé de deux petits aimants qui permettent de le fixer sur le four. Un des gros avantages du TopBond Novae est que la batterie est accessible via le clapet situé sous le vapo. Vous pouvez donc remplacer celle-ci quand vous êtes à court de batterie. Et enfin, niveau fonctionnalité, le Novae est très basique avec un seul bouton pour contrôler la température et allumer le vapo et 5 petites LED pour indiquer le niveau de température. Le fonctionnement du Novae est donc très classique, il suffit de presser 3 fois le bouton central pour démarrer l'appareil, il commence à chauffer instantanément à la dernière température sélectionnée. Vous pouvez voir les LED clignoter le temps que le vaporisateur se met en chauffe, celle-ci s'arrête de clignoter quand la température est atteinte. C'est un appareil qui chauffe plutôt vite puisqu'il atteint sa température maximum de 215 degrés en à peu près 30 secondes. Comme sur la plupart des vapos d'entrée de gamme, il ne permet pas un contrôle précis de la chaleur, mais vous laisse choisir entre 5 températures prédéfinies. Il suffit de presser longuement le bouton central pour passer d'une température à l'autre. Les températures vont de 175 degrés à 215 degrés, à raison de 10 degrés par niveau. Comme vous le voyez, les températures sélectionnées sont indiquées par les LED, une pour chaque réglage, mais celles-ci servent aussi à informer sur le niveau de la batterie en changeant de couleur. Vert signifie que la batterie est à 100%, bleu à 50% et rouge à moins de 20%. Enfin, il y a également un mode discrétion qui permet de couper les LED en pressant 2 fois le bouton. Comme nous l'avons dit précédemment, le Novae dispose d'une batterie amovible, un atout qui penche indéniablement dans la balance lors du choix d'un vapo. Pour 10 € de plus, vous pouvez ainsi acheter une seconde batterie de rechange et doubler l'autonomie de votre appareil. Celle-ci est déjà plutôt satisfaisante puisqu'une batterie vous donnera à peu près une quinzaine de sessions, soit plus d'1 heure de vapote. Le chargement fonctionne par USB grâce au câble vendu avec le vaporisateur. Comptez un peu moins de 2 heures pour changer complètement la batterie. Comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez voir le niveau de chargement indiqué par les couleurs des LED. Notez aussi que lorsqu'il est en charge, le Novae ne peut pas être utilisé. Niveau qualité de vapeur, nous avons été très agréablement surpris. Le chauffage par convection permet d'obtenir une vapeur dense dès les premières bouffées et celle-ci reste régulière tout au long de la session. La résistance au tirage est parfaite. Juste ce qu'il faut pour obtenir de belles volutes. Vous pouvez produire de gros nuages en sélectionnant les températures 2 et 3. À partir du 4e palier à 205 degrés, la vapeur commence à devenir plus âcre et moins agréable en goût. Le second réglage nous paraît optimal pour avoir le meilleur rapport goût-densité de vapeur. Il n'y a pas grand chose à ajouter, le Novae est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur vapo d'entrée de gamme que nous ayons testé du point de vue de la qualité de vapeur. Enfin, on termine avec le nettoyage du vapo. Donc comme d'habitude, commencez par vider l'appareil. Vous pouvez laisser la grille qui se trouve au fond du bol trempée dans de l'alcool. Brossez bien l'intérieur du bol pour retirer tous les résidus. Ensuite, vous pouvez passer au nettoyage de l'embout buccal. L'embout est composé de 4 pièces, le tube en zircone, le joint en caoutchouc, la grille en acier inoxydable, et enfin le corps principal de l'embout buccal avec les aimants. Toutes les pièces sont démontables, vous pouvez retirer la grille et la laisser tremper dans de l'alcool, passer un coton-tige avec de l'alcool à l'intérieur du four et du tube en zircone, laissez tout ça sécher, puis vous remontez l'embout et c'est fini. Pour conclure ce test, on va commencer par les points positifs. Le Novae a une excellente qualité de vapeur, un chauffage par convection, des matériaux solides et durables, une longue autonomie, un prix très abordable et enfin une batterie amovible. Pour les points négatifs, c'est un appareil qui est un peu lourd, le couvercle peut être un peu dur à retirer et enfin il n'y a pas de contrôle précis de la température. Voilà, c'est tout pour le test d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à laisser un commentaire et puis je vous dis à la prochaine. A bumja of herb they by me bedside.